Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Mass Effect Andromeda. Nous allons tenter encore une fois de battre ce monstre et ensuite on retournera faire de la quête principale. À votre demande, je vous ai posé la question, certains d'entre vous m'ont répondu. Donc je vais essayer d'avancer un peu plus dans l'histoire principale effectivement. Vu que ce sont des jeux qui ont des quantités d'heures sur les quêtes annexes. Donc autant profiter un petit peu de la quête principale sur la chaîne et vous laisser le plaisir de découvrir ces quêtes annexes par vous-même. Ça me permettra aussi de faire tourner plus de jeux sur la chaîne, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Ok. Il est effectivement plus gros que le Tempête, je confirme. Je sais plus comment on joue déjà, vous voyez, c'est ça le problème, c'est que voilà. C'est pas ça. C'est pas ça. Ah! Comment je change d'arme? Ah merde! Voilà. Il se multiplie, donc là il a invoqué des saloperies. Oula. Ok, aïe. Voilà, on l'a eu. Ah putain, j'avais oublié qu'il avait une grosse sulfateuse de la mort qui tue. Ça passe pas. Ça passe pas. Hein. Faut qu'on regarde ce qu'on a en armement qui soit plus efficace, malheureusement. Là, pour le coup, je pense que le shotgun, on peut l'oublier. Équipement, le shotgun on peut l'oublier. Clairement, le shotgun ce sera donc celui-ci il me semble de mémoire. Fusil de combat, katana, voilà c'était ça. Faut qu'on garde pour un autre vaisseau d'assaut avec un truc qui fait masse dégâts. 131, il est déjà équipé. 35, ça fait pas de dégâts ça. Il est pas équipé celui-là? Si, Zalkin 3, il est équipé, donc j'ai pas grand chose en fait en règle générale. Ah! Je vais essayer ça. En termes de dégâts. Voilà. Crac. Ça c'est quoi? On va partir là-dessus. Ok. On y retourne. On va encore se retaper la grosse vidéo, la moitié. Si on peut appeler ça comme ça. Avec ça, ça devrait être bon. Donc là j'ai quoi? Ok. On va bien voir. On va essayer, on va jusqu'à ce qu'on y arrive de toute façon. Vous connaissez le principe. Jusqu'à ce qu'on y arrive. C'est pas comme s'il était méga bruyant en plus. Bah il me nique mes oreilles si vous saviez. Je sais pas vous. C'est quoi ça? Ça c'est de la grosse merde. Ah oui c'est vrai je peux le passer. Donc je vais commencer par... Pourquoi il m'a gardé le fusil de combat? Je me suis planté! Oh merde. On peut m'expliquer ce qui... D'accord, il laisse des espèces d'aura. Ok. Ça c'est bon. Je
Ok. Ça te plaît ça ou pas? Tiens, puis gel derrière. Voilà. Fais pas de dégâts, j'ai l'impression. Ça qui est dingue en fait. Bah tu veux bien essayer de frapper l'ennemi. Ah putain. C'est l'ennemi qui nous intéresse. Oubliez le blindage, visez les pattes. Attendez, faut juste. Oh là. Allez, recharge. Hop. Putain, mais il est débile ce personnage. Putain, faut que je reste appuyé en fait. My bad. Crac. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Ah, ça continue pas à charger. Ah, c'est nul. J'ai l'impression de pas faire de dégâts, c'est fou. C'est fou, c'est fou, c'est fou. Allez, bouffe. Si tu veux, vas-y. Non, cet objet sera détruit. Oui, si tu veux, oui, ça me dérange pas. Oui, j'arrive. Aïe. Oh la vache. Ok. Dans la tête, la cible parfaite. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, putain, mais il fait masse dégâts. Il fait tellement de dégâts. C'est pas grave, on va pas y arriver, hein, c'est fou, hein. Tout ça parce qu'il y a un pauvre ennemi de merde, juste méga OP de la mort qui tue, qui se place plus ou moins où il veut. Fusil de combat, le katana, c'est bon, c'est parce qu'on a pris, on est d'accord. Ok, donc j'enlève le katana, je mets à la place le Zalkin 3, qui va sans doute être plus performant que le Zalkin 1. Fusil d'assaut, précision. Capacité de chargeur, dégâts. D'accord, ça me plaît. Lunettes. D'accord. C'est des lunettes, ça m'intéresse pas. Ok. Bon, on va bien voir le Zalkin 3, ça ressemble à quoi. Ouais. On verra. Si cette fois-ci ça passera ou pas. Ou si on va encore mourir. Comme des cons, ça serait stupide. Ah, il aurait fallu que j'équipe les grenades. Alors, dans quelle phase tu es? Putain, mais il fait tellement mal. Aïe. Ok, là il va inviter des gens à la fête. Je t'écoute. Faudrait que je localise un pack de soins. Ah bah là il veut pas se téléporter là pour le coup. Ok. Boum.
Donc ça c'est pas balèze contre ces... D'accord. Tu veux bien? Voilà, merci. Voilà. Oubliez le blindage, visez les pattes. Qu'est-ce qui s'est passé? Sa tête est à découvert, c'est le moment. D'accord, si tu le dis. Putain, mais casse-toi, tu pues! Ah! Hop! C'est même pas sa tête en entier, hein! C'est juste un endroit de sa tête. Ok, on l'a eu. Fou! On n'a pas les armes adéquates, hein. Autant le dire. Ok. Aïe. Ok. Voilà. Qu'est-ce qu'il vous reste? Qu'est-ce qu'il vous reste? Qu'est-ce qu'il vous reste? Putain, je le voyais pas. Voilà. C'est bon, on a eu la première. Oui, on y est. Là, il va tenter de s'enfuir. Et moi, il faut que j'arrive. Je vais essayer quelque chose. Ici, consommable. Je sais pas si je peux... Qu'est-ce que j'ai en consommable? Munitions cryo, munitions incendiaires. Secours. Oh là 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 là. Pas de bouclier, donc je prendrai plutôt les munitions incendiaires. Il va falloir que je sache comment je les utilise à la base. C'est surtout ça qui va être problématique. Ok les filles, on est bon. Ok. Allez, cassez-vous. Voilà, je vais monter dans le véhicule. Vite avant qu'il s'échappe. Ok, ça se passe plutôt bien. Surtout pas qu'il se place là en fait. Parce que là j'ai aucun. J'ai aucun visuel en fait. Aucune planque. C'est la grosse grosse dèche. En fait là je dis pas non. Allez! Fais pas ta pute! Où est-ce qu'il va se mettre? Apparemment, il aime bien ici. Ça m'arrange. Visez les pattes. Allez. Merde. Raté. Dans la tête. Faudrait que je regarde un truc, chers amis. Excuse-moi, je regarde un truc. Hop, parti. Paramètres. Commande. Configuration. Non, par défaut, combat, voilà, combat. Pouvoir 1, ordre coéquipier, tirer, pouvoir grimper. Ah, y a pas, où est-ce que c'est marqué les... Ah putain, je vois pas où est-ce que je suis censé utiliser les... Attendez, c'est peut-être ici. Ah là, c'est là, d'accord, ok. 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 Là, il va invoquer ses potes.
Il faut qu'on y arrive. Ses potes. Ok, ça fait 1. Vache. Ça fait 2. Aïe. Les filles, au boulot. Ça fait 3. Oubliez le blindage, visez les pattes. D'accord, donc même en dehors du blindage, il y a un truc pour faire plus de dégâts, c'est vraiment les parties roses. Ok, capiche. On y est prêt. Il va se re-enfuir. Full munitions, full dégâts, full... voilà. Crac. On monte dans le véhicule. Alors, est-ce que c'est scripté? Est-ce qu'il va se placer là où il veut ou... C'est là qu'on va savoir. S'il se replace là, c'est qu'il se place absolument là où il veut. Et vous voyez, il stagne au-dessus. Eh putain. J'aurais dû utiliser les... Putain, allez vas-y. Putain, forcément. Ce monsieur est une saloperie. Allez, meurs. C'est bon. Là, il va inviter ses copines. Je prends, sait-on jamais. Je prends, sait-on jamais. Envoie-la d'autres. Oh, à travers. Voilà, on l'a eu. Merde. Merde. Aidez-moi. Merde. On l'a eu. On l'a eu. Détruire les conduits de la tête. J'ai pas de planque. Putain, ça aurait été compliqué. Oh nom de Dieu. Se connecter? Il faut que je me connecte à l'architecte. T'es sérieux? Wouh, c'est la fête. Attendez vraiment pas à ça, mais... Waouh. Ok. Les relevés sismiques viennent de s'emballer. Qu'est-ce que c'était? Un reliquat de la taille d'un immeuble. Pardon? Enfin, au moins, vous n'avez rien. Ouais, bah, on est mort plusieurs fois. Donc. De l'avant-poste. Bien joué. Je sais pas si on l'en a vraiment empêché, pour être honnête. Hein. Mais clairement, là, on a montré à quel point nous étions impuissants, chers amis. Waouh, bon. Pionnier, il est possible d'extraire des ressources dans cette zone. Vous pouvez extraire des minéraux via votre interface minière. Bon, vas-y, fais péter. Hop, merci. Crac. Donc, c'est quoi ça? Va me faire croire que t'as survécu, toi. Voilà, Dieu merci, tu n'as pas survécu à celle-ci. Ok, bon. On doit avoir une touche d'extraction. Ah bon? Conditions dangereuses. Qu'est-ce qui se passe pour que ce soit des conditions... Voilà, merci. Extraction. Voilà. Bon. On en aura chié, chers amis. On en aura royalement chié. Fouah.
Est-ce qu'on passe par le Nexus vite fait faire le point, vous savez, le petit point de truc là ou pas? Ryder, on peut parler deux minutes? Non. Non, j'ai pas envie, désolé. Viabilité 94%. Ça me semble parfait. Vu du système. Anomalie détectée. Oh merde! Il y avait une anomalie dans le coin. Ah bon? Où ça? Où ça? Là? D'accord, qu'est-ce que c'est? Sachant que j'avais déjà les 100%, cache orbital Kert. Ok, allons voir. Ça m'intéresse, hein, sait-on jamais? On peut pas passer ça, si? Wouh, qu'est-ce que c'est? Notre amie turienne sur Eos a une bonne intuition. On ferait bien d'aller y jeter un œil. Pourquoi pas? Je prends. Je détecte quelque chose. Ok. Sonde larguée. J'ai trouvé. D'accord, c'était pas extrêmement compliqué. Comme quête. Hop, je peux passer, je passe donc. Peut-être du matériel Kert, comme l'a suggéré Dark. Et voilà. Pourquoi pas? Pourquoi pas. Je repasserai bien par le Nexus, chers amis. Je repasse par le Nexus, je vais voir, vous savez, le mec qui fait les espèces de trucs en rapport avec le Nexus, là. Plus je fais de choses, plus j'ai accès à des capacités différentes, vous savez, au niveau du... On va dire de la salle de contrôle en haut. On va aller voir. Ça m'intrigue. Crac. En tout cas, c'est un combat difficile. J'en ai chié. Non, c'est bon. Me fais pas la petite cinématique. Je m'en fous de la cinématique. Voilà, merci. C'est fou, elle est même pas. Elle est pas passable quand vous appuyez sur X. Vous appuyez sur B pour que vous affichiez. Pour qu'ils affichent, pardon, le passé. C'est fou quand même. Hop, allons-y. Hop. Alors on est mercredi, donc je vais live cet après-midi. On va bien voir comment ça. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe quelque chose parce que... Ah non, je peux toujours pas passer? Ok. En tout cas, on est mercredi. Prey devrait être en pré-téléchargement aujourd'hui. Je viens de balancer la vidéo d'annonce comme quoi il serait vendredi normalement sur la chaîne, sauf Steam nous dit qu'il sortira à minuit et demi. Donc c'est-à-dire samedi matin, mais bon. Connaissant Steam, c'est possible. Ok, voilà, belle coupe afro. Allez, hop, merci. Allez. Zone de cryo. Centre des opérations, voilà, on y va, c'est parti. De nombreux blessés dans une prise d'otage à la ferme hydroponique, suite au débusquement des protestataires par la sécurité du Nexus. Ah bah finalement, il y a eu des blessés. Le maintien en stase de certaines familles, au profit d'autres individus bénéficiant de contacts haut placés. Vous êtes sur SIH. Ouais, c'est pas véritablement les contacts haut placés que j'ai mis en avant, c'est plutôt les personnes qui sont utiles au Nexus, ça me semble logique. Bonjour Vladimir. Bonjour pionnier, ou bonsoir. Je peux m'adapter à l'heure de n'importe quelle planète. Bref, tais-toi, Sam. Madame la directrice. Ah merde, je peux pas. D'accord, faut que j'aille sur la machine. Excuse-toi. Voilà. Module scientifique, module militaire, module commerciaux, module militaire. Reconnaissance, entraînement. Bon, alors reconnaissance dévoile les caches autour des stations avancées implantées. Tactique de l'Apex, ça m'intéresse pas. Ok. Ça m'intéresse. Scientifique. Laborantin. Les points de recherche sont bien à intervalles réguliers. Des minerais sélectionnés sont reçus. D'accord. Développement amélioré. Modules commerciaux. Les investissements. J'aurais tendance à mettre des points. Ici. Récupérer une récompense. D'accord, faut que je vienne les récupérer ici. Toutes les 45 minutes. Waouh, c'est pas si pratique que ça.
Ok, cool. Merci, je suppose. Bon, on va sur l'autre planète, les nouvelles planètes, chers amis. On y va. La quête principale nous attend. Allons-y. Mais voyez, c'est là qu'on voit que finalement... Ah putain, là voilà, c'est bon. Hop. C'est là qu'on voit que finalement, si j'avance trop vite, eh ben, j'ai pas les armes adéquates, hein, tout simplement. Donc à voir, peut-être que je regarderai ce que je peux faire. Je regarderai ce que je peux faire. Si je peux farmer un petit peu pendant des lives ou autre chose. Pour avoir le meilleur équipement possible. Je ne sais pas. On verra. Qui sait, ça se trouve même, je pourrais peut-être même mettre fin à la série un peu plus tôt. Si c'est pas grave, on verra. Hein. En tout cas, on verra le moment venu. C'est pas, pour l'instant, c'est pas prévu. Peut-être que par contre, au bout de 60 épisodes, j'arrêterai. 60 épisodes, ça fait 4 mois de vidéo. C'est un peu trop long. Déjà, quand je fais 15, ça fait plus d'un mois. J'aimerais tourner un peu plus. C'est le désavantage d'avoir autant de séries sur la chaîne, finalement. Ok. Ryder, on peut parler deux minutes ? Non, toujours pas. Hop. Vous êtes ici. Putain, c'est débile. Ouais. Vold. C'est ça qui m'intéresse. Je peux pas passer. Je peux pas passer. Tant pis. Ok, chers amis, donc, après ce chargement, tu détectes quelque chose? Bah vas-y, détecte alors, si tu veux. Hop. Sonde larguée. Un astéroïde. J'ai un énorme dépôt de minéraux. Cool. Oh, putain, c'est tellement long. Allez, allez. Putain, pourquoi tu fais un zoom si c'est pour faire un dézoom? Bon. Allons directement sur Vold. Non, y'a pas besoin. Ah, putain. Le nombre de choses inutiles dans ce jeu, c'est incroyable quand même. Je veux pas dire, hein, mais... Bon, couvrez-vous bien tout le monde. Moi, je reste bien au chaud dans le vaisseau. Ok, on y va. C'est parti. Hop. On va dire que c'est bon. Faites-nous descendre, Callot. Merci d'obéir à mes ordres, même si je viens pas te voir. Cette planète, Habitat 6. Les relevés d'origine indiquaient une atmosphère respirable, riche en azote, et des océans d'eau. C'est dommage. J'imagine que ce n'est plus le cas. Toute l'eau de l'Habitat 6 vole pour les Angara. Et sous forme de glace. Les océans ont complètement gelé. Pour la résidence en bord de mer, c'est raté. J'imagine qu'il va y avoir un caveau qui va ensuite résoudre tous ces problèmes-là. Et ainsi de suite, hein, comme d'habitude. Le pire, vous voyez, c'est que c'est des cinématiques qui sont même pas, qui sont en qualité console. C'est dommage. La zone d'atterrissage est située sur la face de la montagne exposée au vent. Les conditions sont mauvaises. Je détecte des rafales de force 8. Il y avait une civilisation avant. Voyons voir. Je pourrais passer, mais je vais laisser, parce que c'est la première fois qu'on le voit. Oh la vache, on est sur de la glace. On a bien fait. Non, ou alors sur de la neige. C'est bon, tout va bien. Vous êtes sûr? Pas besoin qu'on sorte pour pousser? Oh, très drôle, Ryder. Trop de cul. En fait, on s'est enfoncé dans la neige. C'est pas dans la glace qu'on s'est enfoncé, c'est dans la neige. Mais clairement, j'en connais qui vont avoir froid, là. Hein. Bon, bah, c'est fluide, hein.
Tempête de neige ou pas tempête de neige, c'est fluide. Sauf qu'il ne plaisantait pas pour le froid. Froid extrême, d'accord. Système de survie, ok. Si je me rapproche des torches... Donc nous allons suivre les torches, chers amis, et torcher. Ça, c'est ce que j'appelle une bonne planque. Continuez, Ryder. Évitez tout mouvement brusque. Ça ne m'étonnerait pas qu'on vous observe. Il n'y a pas que le temps qui est glacial. Oh mon dieu, un caillou, je ne peux plus avancer. Oh putain, un radiateur. Oh nom de dieu. Oh oui. Du chauffage, il faut que je me réchauffe 2 secondes. Ce froid me glace le sang. Bah viens. Pensez à aller voir le commandant Hanjik à votre arrivée. Ah. J'aurais dû prendre le bonhomme. J'aurais dû prendre Jal. Ça c'est des kirtes ça, non? Non, ça va. Merci. La température ambiante est normale. Je comprends. Sympa vos vaisseaux en tout cas. J'aime. Oh. Attention au trou. C'est rigolo qu'ils s'installent à côté des trucs, pour certains, et d'autres très très loin. J'imagine qu'il y en a qui sont adaptés au froid, tout bêtement. C'est un conteneur, ça. Ouais, mais il est pas ouvrable, ok. Tant pis. Oh, c'est mignon. Qui sait combien de temps il nous reste ? Ah. Un petit peu de chaleur, excusez-moi, je viens de vous emmerder dans votre... Bonjour, explorateur. C'est tout ce qu'on a. Faites-moi confiance, ça va marcher. Hop, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Armure de rôdeur en gare à 3, d'accord. C'est plus au niveau des armes que ça m'intéresserait, perso. Si vous avez ça, je suis preneur. J'ai reçu un message de mon petit frère. Hop. Ok, c'est vous, bonjour. Jal a amené. Un atout potentiel d'après lui. C'est à sa demande qu'on vous accueille dans Vous avez vu sa veste qui cache ses oreilles d'Oxil. Ou ces trucs là, ses extrémités. Si vous nous trahissez, je vous tuerai personnellement. Les étoiles s'éteindront de peur devant le châtiment que je vous affligerai. J'aurais dû dire on va éviter, vous voyez. Vous trahir. Vos paroles n'ont guère de poids. Ce sont nos actions qui révèlent nos vraies intentions. Certes. Si vous souhaitez faire vos preuves, rejoignez notre combat contre les Kert. Je pense que j'en ai tué suffisamment pour dire que j'ai rejoint le combat depuis longtemps. Leur nombre grandissant reste une menace pour notre peuple. Mm-hmm. Parlez à nos guetteurs qui surveillent la vallée. Ils sauront vous dire ce dont on a besoin. D'accord. Allez-y, j'ai d'autres affaires à régler. Ok. Parlez aux guetteurs. De surveillance est remarquable. On ne gagne pas une guerre sans une bonne organisation. Parlez au guetteur, voilà, c'est là. Datapad, allez, hop. Bon, j'ai pas le droit de passer apparemment. Wow. Ok, c'est bon. Ça me rappelle un petit peu Hoth, hein, clairement. Faut être honnête, hein, ça rappellera Hoth à beaucoup de monde, même, je pense. Et je pense que ça a été aussi une grosse inspiration. Ils ne nous lâchent pas du regard. Tâchons de faire bonne impression. C'est moi qui ai apporté le casse-d'âme la dernière fois. Une base Oh, je voulais pas vous faire peur. Votre commandant nous a dit que vous avez pas froid. Sik, je veux pas parler à cette chose. Vas-y, toi. Arrête un peu, Beniska. Le commandant nous a prévenu. Fous ! Roda ! Et boum, mais plus personne. La vallée. Qu'est-ce que vous cherchez ? Je veux vous prouver que je suis votre allié. Ça veut dire combattre les Kert. Allez dans n'importe quelle direction et vous finirez par en trouver. Ils sont partout sur Völd. Tac. Comme des Kurtes, mais avec des armes.
Les rapports font état d'un camp de travail Kert dans la vallée qui retiendrait des Angara prisonniers. Eh ben voilà! Si vous êtes là pour nous aider, comme l'affirme le commandant, vous pourriez commencer par là. Autre chose? Les lumières rouges? C'est quoi ces lumières rouges là-bas? C'est Jara, un des Dahara de la vallée. Si vous n'y êtes pas déjà allé, il y a peut-être des gens qui ont besoin d'aide là-bas. Tac. Comment ils survivent là-bas? On s'est adapté au climat. C'est si étonnant que ça. Ces lumières attirent l'attention. Les Kert ne les attaquent pas. On s'est adapté à ça aussi. Les Kert veulent nous capturer vivants, donc on se bat jusqu'à la mort. Ça a l'air de les dissuader. Je vous laisse travailler. Intéressant. Ouais, attention à ce que vous faites. On vous surveille. Ok. Bon bah écoutez, chers amis, nous on va cesser là pour cet épisode. Du nomade, sur ma position. Déploiement de la station avancée. Bonne chance, Ryder. What? Déclenchement du déploiement automatisé de la station avancée. Ok. Ça me réchauffe pas, ça? Ok, parfait. Les sont disponibles dans cette région, pionnier. Cool. Je les ai ajoutés à votre système de navigation. Merci. On appelle le nomade et on se laisse là pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé, c'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens. Et yop. Bon, on laisse ça. Les cartes semblent concentrées autour de ce grand poste de commandement central. Mm-hmm. D'après les informations de la résistance, la base coordonne toutes les actions militaires des cartes sur Völd. Ça, c'est intéressant. En le détruisant, on paralyserait leurs opérations. En théorie. Cependant, compte tenu des difficultés rencontrées par la résistance Angara pour infiltrer la base, la tâche ne sera pas aisée. Je suis pas là pour infiltrer. Une approche plus prudente, qui commence par l'inspection d'installations Kert de plus petite taille. Tu as des suggestions pour être dans les petits papiers d'Ephra? Les dépêches de la résistance indiquent que quelqu'un a besoin d'aide à Jara. Nous pourrions aller à Tikix, un Dahar Angara plus grand et plus établi qui se trouve dans les environs. Bonne idée. Merci, Sam. Dak. La température sur Völd est largement négative, et certains endroits connaissent des conditions encore plus sévères. L'utilisation du nomade sera nécessaire. Je vous recommande d'éviter toute exposition prolongée. Forcément. Ok. Compris. On évite les accidents. Nos scans ont détecté des monolithes reliquats, ce qui suggère la présence d'un caveau. Il ne les affiche pas. Ça veut dire qu'il est peut-être possible de faire fondre ce glaçon. Ok. On a du pain sur la planche. Au boulot. Salut.